à tous, j'espère que vous allez bien. On vient de franchir un cap drastique, on va dire, c'est-à-dire on est passé en dessous de la barre des 7 degrés, l'eau elle est à 6,4. Donc ça va être vraiment de plus en plus dur, on le sait, c'est compliqué en hiver, mais on a toujours un petit espoir, hein, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il n'y a que ceux qui restent au chaud qui ne font pas de poisson. Donc je vais essayer aujourd'hui au Fireball. Et surtout passer au sondeur pour essayer de trouver des poissons et de localiser des poissons, donc silure et fourrage aussi, pour essayer de trouver les deux. En règle générale, ça va de pair. Donc, on se retrouve aujourd'hui en plein cœur du centre-ville à Angers, donc ville mythique par son château qui se retrouve juste derrière moi. Et mythique aussi parce qu'elle a détenu pendant longtemps l'ancien record de France de 2,58 m ou 59 il me semble, il y a maintenant quelques années. Donc potentiellement ce poisson a pu grandir. Et ses congénères aussi. On va essayer de trouver ça. C'est pas gagné. Ça fait 20 minutes que je suis sur l'eau, j'ai déjà les doigts congelés. Poisson qui est monté voir, c'était pas gros, encore un petit écho de figure. Il y a des poissons, mais ils ont souvent la gueule fermée. Là aujourd'hui le niveau d'eau a baissé d'à peu près 1 mètre par rapport à la normale, alors je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'ils ont joué avec le barrage pour évacuer des tas de bois bloqués dedans ou autre, j'en sais rien du tout. Je ne vais pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que la température extérieure est à peu près 4 degrés. La température de l'eau à 6,4. C'est vraiment pas chaud. L'un n'empêche pas l'autre. On peut sortir du poisson même en ce moment. Il faut y aller. La fermeture n'est pas encore là. On peut encore se permettre de trouver des poissons actifs au vif. Passer le mois de janvier, on devra pêcher avec d'autres techniques. On passera davantage sur des pêches au vert, au clonc, opposé, en vertical, un petit peu de tout. Moi, je vais essayer de trouver des poissons, je vous disais tout à l'heure. Exceptionnel, c'est étonnant, j'ai envie de dire, mais c'est assez compliqué. J'ai croisé un pêcheur là qui pêchait du coup le carnassier au leurre. Il m'a dit qu'il n'avait pas vu de silure sur cette portion du bassin, hormis peut-être un seul, et encore il n'est pas sûr, c'était pas gros. Du coup, moi je vais continuer à descendre, je vais quand même aller inspecter, on sait jamais. Il suffit qu'il soit passé à côté d'un petit banc, d'un regroupement de petits silures, on va dire 3-4 sujets plaqués sur le fond, on ne sait pas. La rivière est tellement large que tout peut arriver, tout peut se cacher derrière des obstacles, etc. Donc je vais quand même descendre, je vais aller faire un tour. Et on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Le carnassier, c'est difficile, il n'a pas fait de cendre, il est là depuis ce matin. Donc, il n'a pas fait de cendre du tout. C'est pas évident. Là aujourd'hui j'ai l'inconvénient, c'est que j'ai le vent dans le dos, j'ai le vent qui me fait remonter le courant. Donc c'est un petit peu pénible, je ne peux pas dériver tranquillement, je suis obligé de palmer pour descendre le courant. Et le vent est vraiment pas chaud aujourd'hui. En même temps c'est un temps de saison, j'ai envie de dire. Je pense que dans les jours à venir je vais me remettre en pêche opposée, c'est-à-dire peut-être au flotteur sous-marin. Pour déjà d'un
être au chaud, parce que clairement je me les pèle, et peut-être essayer de trouver des poissons justement de passage, essayer de trouver, déjà je vais passer avec le bateau, prendre du temps pour localiser le secteur, déposer les montages précisément, et en espérant qu'il y ait un poisson ou deux qui bouge. En hiver, même dans une eau à 3 ou 4 degrés, les poissons se déplacent quand même. C'est pas parce que l'eau est froide qu'ils arrêtent de bouger et ils ne bougent plus au fond de l'eau comme ça. Non, c'est pas ça. C'est juste le fait que l'activité alimentaire réduit parce que la température de l'eau a baissé. C'est-à-dire que le temps de digestion il est tellement plus long que pour eux, au final, ils n'ont pas besoin de manger. Alors qu'en été, le temps de digestion est beaucoup plus rapide dû à la température de l'eau élevée. Du coup, voilà, la seule différence, c'est ça. Il est possible de prendre du poisson même dans une eau avoisinant les 3 degrés. Il n'y a pas de souci. C'est dur, c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas faim. Donc, il faut essayer de leur présenter vraiment le vif sur le nez. Et vraiment un pêcher précis. Et voilà, c'est plus difficile qu'à la normale, mais c'est pas impossible. Il faut vraiment y aller. Bon, je me recouvre les oreilles et je continue à prospecter parce que là, ça pique. Bon, journée pas terrible, là je viens de rentrer parce que je viens de poser le flot tube à l'instant, j'ai les pieds congelés, les doigts congelés, j'ai passé au moins 4 heures ou 5 heures à lutter contre le vent, je suis rincé, donc pour moi ça va s'arrêter là aujourd'hui. Je vais quand même vous présenter le montage Fireball, mais vraiment complet. C'est-à-dire que pourquoi je fais une épissure et pourquoi je ne fais pas une boucle pour relier la base de mon hameçon et l'ennemi clé correctement. Certains m'ont demandé justement comment je faisais de manière plus précise. Et je comptais vous le faire au bord de l'eau, mais là, j'ai trop froid, clairement. Donc, je vais rentrer le matériel et puis je vous montre ça tout à l'heure au chaud. Donc ça y est, je suis rentré, il fait quand même meilleur ici, même s'il fait, il fait quand même froid. Je voudrais vous parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'épissure, donc le baline que j'utilise pour pouvoir pêcher au fireball et tout ce qui est pêche verticale. L'épissure me permet d'avoir une boucle sans nœud, donc sans point d'accroche, on va dire, pour venir retenir les impuretés. Là, ça va glisser parfaitement jusqu'au bout. Je double ma section. Donc je double la section, donc je résiste deux fois plus longtemps aux dents du silure, deux fois plus longtemps en abrasion sur un obstacle dans l'eau. Et surtout, comme je double la section à l'intérieur, puisque la tresse rentre à l'intérieur de l'autre morceau, j'arrive à garder une certaine rigidité, même si cela reste quand même souple. C'est quelque chose que moi j'adore utiliser pour tout ce qui va être pêche verticale. Et il m'arrive très souvent aussi, quand je pêche au leurre, de même plus m'embêter à mettre une agrafe. Je passe directement la boucle dans l'œillet de la tête plombée, je passe autour, je tire, et voilà. Pour le défaire, il suffit d'écarter, pousser et l'enlever, et voilà, c'est quand même assez simple. Je vais vous montrer comment je fais pour le faire, de manière très traditionnelle. Soit vous prenez une aiguille à bouillette que les carpistes utilisent, ou alors, pour les plus bricoleurs qui ont de la corde à piano chez eux, vous prenez 10-15 cm, vous la pliez en deux, et vous pouvez la glisser directement à l'intérieur de la tresse. C'est quelque chose d'assez simple. Il faut utiliser la Silent Leader, donc à peu près en 1 mm. C'est une tresse qui est creuse et qui est prévue à cet effet, bon, vraiment pour faire des épissures. Elle est vraiment très résistante à l'abrasion, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, dans ce cas précis, je vais prendre la tresse de 1,1 mm. J'en prends à peu près 1 mètre. Sur ces 1 mètre-là,
Je vais tout de suite faire une estimation de la taille de la boucle que je veux, tout en laissant environ 8 cm de tresse. Cette tresse-là va se retrouver à l'intérieur de l'autre, pas besoin d'en mettre 15 cm, mais c'est vrai que 7-8 cm au moins on a une valeur sûre et ça me permet d'avoir une résistance doublée au nœud parfaite. Donc je fais ma boucle, moi je fais souvent à peu près 3 doigts, voilà, c'est quand même quelque chose de standard. Et une fois que j'ai fait mon repère, je garde le morceau du coup long. Donc ça fait que j'ai à peu près entre 20 et 25 cm de restant. Je prends mon aiguille et aiguillette, je passe au travers, dans son milieu, et il suffit juste de reprendre le bout de la tresse pour la faire repartir à l'intérieur. Donc on pince, voilà. Une fois que c'est comme ça, il n'y a plus qu'à attirer. Donc, j'ai bien ma boucle deformée. Voilà. Je viens piquer à ras dans l'excédent. En plein milieu. Et ce coup-ci, je vais prendre la plus grande longueur. Il suffit de faire comme précédemment. Mince. Comme précédemment, de venir passer la tresse à l'intérieur. Donc, ce qui nous forme, voilà, une sorte de passage croisé l'un dans l'autre. En faisant comme ça, on se retrouve à faire une épissure bloquée. C'est-à-dire que une fois qu'elle est serrée, en tirant sur un côté ou sur l'autre côté, l'épissure ne se défait pas. Si je fais une épissure classique, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur de la tresse, prendre la chute, tirer dessus, si je tire sur le petit bout, ça va la défaire. Or là, je peux tirer sur les deux côtés, ça ne la défait pas. Pour venir terminer le nœud, il suffit juste de cacher la tresse à l'intérieur de l'autre partie. Je dépasse toujours de 2-3 cm. Et je viens faire coulisser ça sur la hampe, donc sur toute la tige de l'aiguille aiguillette. Donc on n'hésite pas à prendre son temps pour faire les choses correctement. Et je sors à ras le nœud. Ras le nœud qu'on a déjà fait, c'est-à-dire les deux parties bloquées. Voilà, entièrement. Une fois que j'ai fait ça, je prends le petit bout qui dépasse. Voilà. Je peux venir humecter pour faciliter le passage de la tresse à l'intérieur. Et il me suffit de glisser tout doucement le restant. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec la tresse qui passe à l'intérieur. On serre bien le nœud à fond. Et après, on n'a plus qu'à descendre la tresse pour venir cacher l'autre. Et voilà. L'épissure est faite. Et avec ça, on a une résistance parfaite. Donc, tous mes bas de ligne pour les pêches en verticale, je les fais comme ceci. Je prends mon aiguille à bouillette et je viens passer tous mes accessoires comme ceci pour venir finaliser mon montage. Le hook sleeve pour venir apporter le côté visuel. Et le trip, je passe à l'intérieur de la boucle. Je passe autour des trois branches, je tire. Et le nœud est fait. Voilà. Hop. Je mets le hook sleeve en position. Donc une fois qu'on est comme ça, on n'a plus qu'à venir régler la longueur entre les deux hameçons. Une fois que la longueur est faite, je me retrouve comme ceci, je passe mon doigt en dessous, je fais
un demi-tour et je repasse autour de la hampe de l'hameçon. Je le refais une deuxième fois. Voilà. Ce qui vient me faire une clé. Et j'ai plus qu'à venir la serrer et la mettre le long de la deuxième. Une fois que je viens tirer, je me retrouve avec un angle qui lui est quand même agressif, qui va me permettre de piquer les poissons de manière plus franche, plus nette, avoir moins de décrochés. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à venir mettre la gaine sur l'œillet de l'hameçon simple pour venir parfaire le nœud. Voilà. Et voilà, le montage est fini. Il n'y a plus qu'à mettre le plomb directement en place sur la ligne. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair dans mes explications. L'épissure, c'est quelque chose de simple, mais il faut quand même le maîtriser. C'est un nœud qui est vraiment résistant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que j'utilise vraiment souvent, j'ai aucun souci avec. C'est le nœud le plus résistant que j'utilise jusqu'à maintenant, et qui me facilite beaucoup la vie. Ça me permet aussi d'enlever très facilement mes hameçons, pour ne pas avoir, par exemple, le fireball qui va venir gêner, taper contre la canne pour ceux qui mettent pas de housse, les hameçons qui veillent rayer les blancs, et tout ça. J'ai juste un passage à faire, j'enlève le triple, j'enlève le simple, et comme ça, je n'abîme pas le matériel. Si vous souhaitez avoir d'autres vidéos sur les nœuds, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, beaucoup de gens regardent la chaîne et les vidéos sans s'abonner. N'hésitez pas à le faire, ça me fera vraiment plaisir. Moi je vous dis à dimanche prochain. Dimanche prochain, je pense qu'on va changer d'approche. Je voudrais passer avec le bateau derrière. On va faire une approche plus sur l'eau à dériver. Et déjà j'aurai plus chaud aux pieds parce que là en ce moment c'est clairement très difficile. Donc voilà, on va faire une approche différente. Moi je vous dis à dimanche. Protégez-vous, prenez soin de vous. Ciao.